Paris, comme toutes les grandes villes françaises, se construit de grands et beaux immeubles, de bureaux surtout, et parfois d'habitations. Mais sur 13 000 constructions neuves, 11 000 remplacent des immeubles détruits spécialement dans ce but. On démolit entièrement des quartiers de Paris, pas forcément insalubres, pour faire du neuf. Chaque fois, le coût de l'opération est exorbitant. Paris, de toute façon, est cher. Le prix des loyers a doublé largement depuis 1962. Le prix du mètre carré neuf varie actuellement de 4 000 francs dans les quartiers populaires à 25 000 francs, 2,5 millions de centimes dans les beaux quartiers. Paris devient une ville bourgeoise, une ville chère, une ville destinée à une population fortunée. Il n'y a que voir les immeubles des bords de Seine, par exemple, avec le prix des loyers qui est absolument inaccessible même à beaucoup de Français. La majorité des gens qui habitent ces immeubles sont des gens des ambassades, des gens des grandes firmes internationales. C'est le résultat d'une politique qui était la première politique gaullienne de grandeur, c'est-à-dire Paris devait être, ou on espérait qu'il soit, la capitale de l'Europe. Donc en conséquence, on voulait faire une ville propre. Propre, c'est-à-dire débarrasser des taudis, débarrasser des immeubles non vétustes, et en même temps débarrasser des gens aussi qui paraissaient un peu sales, entre guillemets, pour les étrangers qui devaient venir. C'est-à-dire que Paris devait être une plateforme, devait être un espèce de miroir aux alouettes pour attirer des grandes compagnies étrangères. Le résultat est loin d'être une réussite. On a effectivement construit des milliers de bureaux, des tours ressemblant plus ou moins à celles de Manhattan à New York. Mais beaucoup de ces bureaux ne sont ni achetés ni loués, à cause peut-être de leur prix et surtout à cause de leur trop grand nombre. On a aussi vidé certains quartiers de Paris de leurs habitants, Montparnasse par exemple, la place d'Italie. Ce sont évidemment les familles modestes qui ont été les plus touchées. On a laissé s'établir une véritable ségrégation sociale en déportant les habitants du centre vers la grande banlieue. Et tout ceci au nom de l'argent, puisqu'il est incontestable que dans la construction, ce qui fait grimper les prix de façon aussi vertigineuse, c'est la spéculation immobilière et surtout foncière. Les terrains dans Paris et les grandes villes de France sont devenus prohibitifs et c'est un scandale parce que le gouvernement, depuis la Libération, tous les gouvernements n'ont jamais voulu toucher aux droits de propriété. Il est anormal que les terrains des propriétaires qui ont fructifié grâce au réseau de communication, grâce à tout l'équipement autour de ces terrains, donc à la collectivité, ne reviennent pas à la collectivité. Et c'est ça qui fait grimper le prix des appartements, des logements dans Paris, les grandes villes de France. Parce que les prix de revient des tours que vous voyez ici sont exactement le même que les prix de revient dans la campagne de la Beauce ou la campagne marseillaise. C'est le même béton, le même fer, les mêmes travailleurs immigrés et français. Donc par contre, ce n'est pas le même prix de vente et pas le même prix de location. C'est un scandale. L'évidence est que seuls ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent se loger confortablement dans la ville. Il y a 16 millions de Français mal logés et 4 millions d'entre eux vivent dans des appartements surpeuplés. Comment faire une politique du logement cohérente sans une véritable politique foncière? Comment admettre que le nombre de logements neufs inoccupés dans le centre des villes augmente sans cesse et que tous ceux qui manipulent l'argent pour la construction le fassent fructifier aussi vite? Comment enfin accepter que le logement, qui est un droit, soit si cher? La France, les capitalistes français, dans le bâtiment, sont tout de même beaucoup plus gourmands que les autres. Il est admis que cela rapporte entre 11 et 12%, toutes dépenses confondues, les honoraires d'architectes compris, les honoraires de notaires, qui en touchent beaucoup d'ailleurs, la publicité, tandis que dans les pays capitalistes de même nature, l'Allemagne de l'Ouest, le Benelux, l'Angleterre, même la Suisse, c'est du 5%. Ça explique déjà beaucoup la dégradation du cadre de vie en France. Les prix des appartements, du logement à l'étranger, capitalistes, sont beaucoup moins chers déjà qu'en France, beaucoup moins élevés. Ce n'est pas tout. Personne ne peut plus garantir dans les villes des loyers et des charges d'un niveau acceptable. Les citadins sont maintenant contraints de dépenser entre 30 et 40% de leurs revenus pour se loger. L'idéal est entre 20 et 25%. Il faut enfin ajouter que la concertation entre le citoyen et celui qui construit n'existe pas. On maintient un certain secret autour des enquêtes d'utilité publique. Les transactions sont souvent clandestines, les circuits financiers complexes.
Donner la parole et un certain pouvoir à l'utilisateur est sans doute le premier moyen de réduire les inégalités.